Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Bonjour bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus, où que vous me suivez. C'est moi votre frère Guillaume Soba. Je viens pour partager la parole de Dieu. Ça vous fera du bien. Je sais que vous êtes pressés. Vous courez par-ci par-là, cherchant ce qui périssent. Bien-aimés, tout ce que nous sommes en train de voir, tout ce qui est physique, ce sont des choses qui vont périr. Mais cherchons la parole de Dieu qui va demeurer au-dedans de nous, qui nous amène la vie éternelle. Sur ce, bien-aimés, je vous invite à lire avec moi, d'où que vous soyez, dans des métros, dans des transports en commun, à la maison, dans votre chambre, lisez avec moi si l'Éternel vous permet de lire. Nous allons lire dans Daniel chapitre 5, verset 24, je vais descendre jusqu'au verset 28. Daniel 5, 24 à 28. C'est une histoire que beaucoup connaissent, bien aimé. Mais ici, il ne suffit pas de connaître, mais il suffit de pratiquer. Nous parlons des œuvres. Amen, amen. Donc, nous avons parlé des œuvres. Si nous apportons des offrandes à Dieu, si nous apportons des dîmes à Dieu, c'est très bien. Des sacrifices, c'est très bien. Dieu agrée. Mais peut-être il y a aussi quelque chose que tu n'es pas encore en train de faire. Il y a quelque chose que tu n'as pas encore fait, que Dieu demande à ce que tu le fasses. Je me répète. C'est bien de payer la dîme, c'est bien de donner vos offrandes, mais il peut y avoir quelque chose que Dieu est en train de demander et que tu ne fais pas. Ce sont peut-être des œuvres que tu es en train d'ignorer. Je vais lire. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée, comptée, pesé et divisé. Et voici l'explication de ce mot. Comptez, Dieu a compté ton règne et il y a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Bien, mais ici, il s'agissait de Belshazzar, le fils de Nabucodonosor. Son père est passé, lui l'a remplacé. Mais il n'avait pas d'égard envers Dieu. Il utilisait même les ustensiles de la maison de Dieu, les ustensiles du temple. Il utilisait avec ses concubines. Et pendant qu'ils étaient en train de boire du vin, tout ça, ils faisaient leur pagaille. Il y a une main qui a écrit sur le mur. Teke main passe. Comptez, pesez, divisez. L'Éternel l'a trouvé léger. Il lui a dit, dans ce cas, tu seras pesé, tu seras compté, pesé et divisé. Bien, ici, il ne s'agit pas de roi. Ces choses qui ont été écrites, c'était pour nous servir aujourd'hui des exemples. Comme pour dire, Dieu compte tout ce que nous faisons. Dieu compte tous les mots qui sortent de vos bouches, de nos bouches. Dieu compte tous nos actes. Dieu compte toutes nos actions, j'allais dire, Dieu compte tout. Ne pense pas qu'il y a des petits péchés ou des grands péchés. Mais la question reste à poser. Tu demandes à Dieu, fais ceci, demande, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi ça, ça. Qu'est-ce que tu fais pour ton Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Nous sommes sauvés au moyen de la foi par notre Seigneur Jésus. Mais bien aimé, les œuvres peuvent te secourir. Il y a eu dans la Bible une dame qu'on appelait Dorcas. Par ses œuvres, les apôtres se sont souvenus d'elle. Et les gens sont venus. Ah, c'est elle qui a poussé ça. Ce que je porte, c'est elle qui a fait ça. Elle mérite que tu lui donnes ça. Et elle mérite que tu le ressuscites. Bien aimé, les œuvres peuvent nous aider. Les œuvres peuvent aussi nous sauver. Entre parenthèses, sachant que nous sommes déjà sauvés. Quand vous croyez, quand vous acceptez Jésus, vous êtes sauvés au moyen de la foi. Seulement par l'acceptation de Jésus.
Mais quand tu seras sauvé, il se pourrait que tu puisses être peut-être casé quelque part. Sauvé, mais casé quelque part. Sauvé, mais dans le royaume des cieux ou dans le paradis, mais quelque part. Hein? Parce qu'il y aura des classes. Il y aura des classes. Ceux qui ont bossé dur, ceux qui ont œuvré pour le Seigneur, bien-aimés, ils auront leur classe à eux, à part. À part entière. C'est pourquoi continuons à bosser, continuons à travailler, continuons à produire des fruits, à produire des œuvres pour la gloire de notre Dieu. Ici, bien-aimés, Dieu a pesé Bethsaïde. Dieu pèse nos actions. Dieu pèse nos mots. Mais Dieu pèse tout ce que tu es en train de faire là. Du matin jusqu'au soir, il y a un bilan. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Dieu pèse tes mots. Dieu pèse tes expressions. Tout ce que tu dis là, peut-être tu blesses les gens. Ta manière de t'habiller, tu peux blesser beaucoup. Tu t'en fous. Ta manière de parler blesse les gens. Et toi, tu t'en fous. Mais l'Éternel est en train de compter. Jésus est en train de compter. Tout le péché que tu commets, Dieu est en train de compter. Il est en train de peser. À un certain moment, il compte, il pèse. Bien, mais si tu te trouves léger, tu seras jeté. Si tu te trouves léger, tu seras abandonné. Si tu te trouves léger, tu vas perdre même le paix que tu as. C'est pourquoi tu dois travailler. C'est pourquoi tu dois penser à l'Éternel. Tu paies ta dîme, tu donnes l'offrande, tu penses à l'œuvre de Dieu, tu soutiens l'œuvre de Dieu. Oui, cependant, bien aimé, quand on parle des dîmes, des offrandes, il y a toujours des guerres qui commencent à brûler. Je sais qu'il y a des pasteurs en ce moment-ci, et je sais qu'en ce moment-ci, les pasteurs sont mal cotés. Mais bien aimé, la parole de Dieu reste telle. La parole de Dieu reste telle qu'elle. La parole de Dieu n'a pas changé. Dieu a ses serviteurs. Il y a le vrai et le mauvais. Il y a toujours des vrais et il y en aura toujours. Bien, les temps est mauvais. Apportons à Dieu nos fruits. Ou soit portons nos fruits. Que Dieu puisse trouver son compte. Que Dieu puisse nous compter et que nos balances puissent se peser. Je réponds. Bien aimé, tout ce que tu fais n'a pas d'importance si ça ne pèse pas dans la balance de Dieu. Tu dois peser dans la balance de Dieu. Tu dois peser dans la balance de Dieu. Pèse dans la balance de Dieu. Aime ton prochain. Fais du bien. Cherche à peser dans la balance de Dieu. Autrement, Dieu va te rejeter. Autrement, ton royaume sera dispersé. Autrement, tes biens seront donnés aux autres, à ceux qui ne connaissent même pas Dieu. Pense à porter des fruits, l'amour du prochain, soutenir l'œuvre de Dieu. Quand tu aimes, tu ne feras pas le mal à ton prochain. Quand tu aimes l'œuvre de Dieu, tu vas t'y attacher, tu vas t'y accrocher. Bien-aimé, je suis venu pour te dire que tu dois porter des fruits. Je suis là pour te dire, bien-aimé, tu dois œuvrer pour Dieu. De sorte que quand tu seras baisé, que la balance ne puisse pas être fauchée. De sorte que quand l'Éternel va te peser, tu trouves quand même que tu as du poids. Combien comptes-tu? Combien peses-tu? Combien tu as dans la banque céleste? Combien? Tu vis comme un animal et tu vas mourir comme un animal. Qu'est-ce que tu es en train d'emmagasiner dans l'au-delà? La vie ne se résume pas à ce que nous voyons. La vie ne se résume pas seulement à ce que nous touchons. Qu'est-ce que tu es en train de garder dans l'au-delà? C'est quoi en fait? La bouche que Dieu t'a donnée. Mais la bouche que Dieu t'a donnée, ce n'est pas que pour manger, ce n'est pas que pour boire, c'est aussi pour parler de sa part. La force que Dieu t'a donnée, ce n'est pas seulement pour travailler nos affaires, tout ça, c'est aussi pour travailler pour Dieu. Faisons la part des choses. Travaillons pour Dieu. Bossons pour Dieu. Que Dieu nous trouve trop important à ses yeux. Que nous soyons réellement les prunelles de Dieu. Bien-aimé, porte des fruits. Bien-aimé, pèse. Pèse. Si tu ne pèses pas, Dieu va te retrancher. Dieu va te mettre de côté. Il va remplacer quelqu'un d'autre. Parce que tu es en train d'utiliser la nature pour rien, la sève pour rien, un arbre qui ne sert à rien.
tu es en train d'utiliser le vent, la sève, tout ça pour rien. Tu seras étranger. Si tu ne produis pas les fruits, tu seras étranger. Bien-aimé, fais en sorte de produire les fruits. Fais en sorte que Dieu plaise à ta vie. Fais en sorte que quand l'Éternel vient, il te pèse, il compte, il pèse, il trouve son compte. Non, celle-là ou celui-là est en train de me servir. Donc, je lui donne encore du temps. Bien-aimé, à celui qui a, on ajoutera. Mais à celui qui n'a rien, on enlèvera même le paix qu'il a. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Combien pèses-tu? Combien pèses-tu? Porte des fruits et l'Éternel te bénira. Je sais que tu n'as pas le temps. Et quand tu sillonnes, tu scrolles les vidéos, tu es trop pressé. C'est pourquoi cette vidéo, effectivement, pour quelques minutes, pour te dire, tu vas passer trop vite. Mais attention, porte des fruits. Œuvre pour Dieu. Cette vie va passer. Personne ne restera pierre sur pierre ou pour l'éternité. Et dans ce monde, tu vas passer. Oui, le problème, c'est que dans l'au-delà, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te présenter main vide. Rachète les temps. Les jours sont très mauvais. Je vais prier. Pour celui qui me suit, pour celui qui est malade, je vais prier. Seigneur à Dieu, bénis la sœur, le frère qui m'a suivi. Que cette parole demeure dans son cœur, produise des fruits. Je prie pour le malade. Sauve, guéris les malades. Tu es celui qui guérit. Guéris, Seigneur. Là où mon frère est en train de me suivre, peut-être qu'il a un problème, donne la solution. Donne la solution au nom de Jésus. Aide-nous à comprendre cette parole, Seigneur, que nous puissions peser, porter des fruits pour la gloire de ton Saint.